À la luxuriance de la végétation sur les îles correspond la richesse des fonds sous-marins. Dans ces mers chaudes, la faune et la flore trouvent de bonnes conditions d'épanouissement. C'est un univers dont l'exploration reste facile. Jusqu'à une quarantaine de mètres de profondeur, l'eau est suffisamment claire. Apparaît d'abord comme une forêt d'arbres miniatures, de bonsaï. Mais c'est un monde plus vaste qui se dévoile au fur et à mesure. Un monde aux formes et aux couleurs extrêmement variées. Les récifs coralliens sont au centre d'un écosystème où chacun a sa place. Le corail avec les algues, les vers, les étoiles de mer, les crustacés et les poissons. La cohabitation est possible parce que chaque espèce occupe une niche écologique particulière. De coraux sont des organismes qui associent le monde minéral et animal. Ils semblent faits de pierres vivantes, de pierres qui ondulent au gré des courants sous-marins. La zone Indo-Pacifique est la plus riche du monde sous-marin. Elle possède 80 genres et 500 espèces de coraux, 5000 espèces de mollusques et 2200 espèces de poissons. La communauté des coraux rassemble de nombreuses familles. Les plus nombreux et de très loin sont ceux de la famille des madréporaires. Les madrépores forment de grands buissons. Les espèces du genre porite ont une forme tassée et arrondie. Les diploria ont également des formes très massives et un dessin de surface très géométrique, un vrai labyrinthe. Les favia ressemblent à de gros champignons. L'acropora est un corail qui se développe en forme de parapluie ou de parasol.
ce sont des orgues de mer. Leur squelette est constitué de tubes serrés les uns contre les autres, d'où leur nom. Les gorgones ont l'apparence d'arbustes. Elles peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de hauteur et 2,50 mètres de diamètre. On les rencontre parfois assez profondément, jusqu'à 3000 mètres, mais aussi près de la surface. Les gorgones se positionnent souvent perpendiculairement au courant dominant. Ces ramifications ressemblent vraiment aux nervures des feuilles. Elles constituent le corps du corail. Le corps du corail est constitué de polypes, l'unité anatomique de base de l'animal. Ses membres, pourrait-on dire. Chacune de ses branches ou de ses rameaux est un polype. Le polype est hermaphrodite. Il produit des larves qui sont expulsées dans la mer. Elles entament leur pérégrination avant de se fixer un rocher. La larve se construit des fortifications grâce à des cellules spécialisées qui sécrètent une substance calcaire, l'aragonite, à partir du calcium de l'eau de mer. Puis, cette larve s'entoure de couches de plus en plus épaisses. Elle est devenue un polype. Et le polype se multiplie par la reproduction asexuée. Il se sépare en deux. Et chaque polype recommence le même processus. Les coraux sont tributaires de la température de l'eau. Ils ne peuvent pas vivre si elle est inférieure à 18 et même parfois 20 degrés. Pour la plupart des espèces de corail, la limite maximale est 45 mètres de profondeur. Au-delà, la lumière ne pénètre pas. La lumière est en effet indispensable aux algues qui sont disséminées dans le tissu du corail et qui lui apportent des glucides. Par le mécanisme de la photosynthèse, la lumière transforme la chlorophylle des algues en hydrate de carbone. Les coraux s'établissent sur le socle continental qui prolonge les côtes, juste avant les grands fonds. Les zones les plus éloignées de la côte sont les plus jeunes. Elles constituent le front du récif. Cette architecture se construit très lentement, à raison de quelques millimètres par an. Les coraux aux formes arrondies grandissent de 10 mm par an. Les coraux en branche peuvent atteindre 25 mm par an. Ces grottes, ces cavernes sous-marines forment des ensembles très structurés. Les cavités sont totalement ou partiellement comblées par des sédiments organiques, comme les débris d'autres coraux et de coquilles, des morceaux de piquants d'oursins, des restes d'algues.
Il y a trois types principaux de récifs. Les récifs frangeants, les récifs barrières et les atolls. Les récifs frangeants s'adossent à la côte. Ils sont très répandus, notamment dans l'océan Indien. Les récifs barrières forment vraiment une séparation entre la zone côtière et l'océan. Les plus connus sont ceux de la Grande Barrière, au large de l'Australie. Les atolls abritent une végétation et une faune sous-marine très riche. Les requins prolifèrent près des récifs. Ils y trouvent une nourriture abondante. Voici des cochers cornus de la famille des ancles. Ils se nourrissent surtout d'éponges et d'algues. Le cochet appartient à la famille des poissons papillons. La nageoire dorsale porte une très longue épine, comme une flagelle. C'est un poisson qui atteint une vingtaine de centimètres de longueur. Il est très apprécié des aquariophiles. Il a une bouche relativement longue. Comme tous les poissons coralliens, il se nourrit aussi de corail dont il croque de petits morceaux. Il vit généralement en couple et plus rarement en banc. Le poisson chirurgien à dos jaune peut être assez agressif vis-à-vis des autres poissons. Il a besoin d'espace. Voici un poisson ange, empereur. Il vit en petits groupes au-dessus du fond. Les poissons trompettes ont un corps très allongé et un museau développé. Ils sont agiles, voraces. Pour le corail, ces poissons sont des prédateurs. Les étoiles de mer sont aussi les ennemies du corail, dont elles arrachent des pans entiers. Mais le corail est lui-même un animal carnivore. Il se nourrit de zooplancton, de larves et de petits crustacés. Il les capture en leur envoyant des décharges de ses cellules urticantes. Mais les poissons sont insensibles à ces décharges.
Et puis, entre les branches du corail, de nombreuses espèces de poissons trouvent refuge contre les prédateurs. Et voici la murène. La murène est l'un des poissons des mers tropicales les plus dangereux. Elle se tient dans les crevasses, à l'affût des proies. La rascasse volante pourrait se comparer à un porc-épic sous-marin. Elle possède de très grandes nageoires, notamment les pectorales et la dorsale, en forme de lame. Sa peau sécrète des substances toxiques. Elle se nourrit de poissons plus petits et de crevettes. Un poisson très coloré, le grogneur oriental. On peut l'approcher d'assez près. Contrairement à d'autres espèces, il n'a pas vraiment peur des plongeurs. Le corail a beaucoup de locataires qui creusent des fissures, des canaux ou des galeries. Ainsi des crabes, des vers, des gastéropodes, des éponges. Cette colonisation est parfois très importante. Elle peut aboutir à la destruction du corail qui est complètement fissuré. L'érosion due au mouvement de la mer joue aussi son rôle dans la transformation des formes du corail. Dans les îles Caraïbes, la pêche artisanale est très ancienne.
Le halage des filets est une entreprise communautaire. Il n'est pas besoin d'aller au large. La côte est très poissonneuse. Mais la pêche peut représenter une menace sérieuse pour le corail, quand elle est excessive. Elle est même plus dangereuse que la pollution. Il y a un rapport étroit entre les poissons et le corail. Un rapport de dépendance. Voici l'animal qui fait le lien entre le corail et les poissons. Les oursins des récifs sont chassés par plusieurs espèces de poissons. Quand ces derniers sont trop exploités par l'homme, les oursins prolifèrent. Ils deviennent alors un vrai risque, car ils se nourrissent notamment du corail et ils creusent des terriers dans ses tissus. De nombreux récifs dans les mers tropicales sont très dégradés. Certains ont été complètement étouffés. Mais la nature sait aussi prendre sa revanche. Au large de l'île de Guadalcanal, dans le Pacifique, reposent des navires de guerre, des croiseurs, coulés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les batailles navales entre Américains et Japonais furent nombreuses dans cette région du monde. Le corail a pris possession des lieux. Il recouvre année après année les tôles, les armatures. Il efface lentement la pollution de ses corps étrangers. Mais pour une fois, cette pollution sert l'écosystème. Car les masses métalliques fournissent des supports pour que le corail puisse se développer. Le monde sous-marin se régénère en prenant son temps, sous la surface, le temps des profondeurs.